Il était une fois, dans la ville de Paris, à notre époque, une petite fille qui s'appelait Alissa. Elle était fort belle, tout le monde la connaissait car elle était Minnie Miss de la ville. Elle était naïve, elle était aussi gentille, aimable. Un jour, elle fut convoquée chez le maire de la ville car elle avait donné des jouets pour des enfants pauvres. Le maire lui donna en récompense de son action un petit chaperon violet. Elle accepta avec joie. Depuis, on l'appelait le petit chaperon violet, elle ne s'habillait qu'en violet. Quelque temps plus tard, le maire l'envoya apporter un panier rempli de bonnes choses à une pauvre vieille dame qui habitait en Afrique. Arrivée à destination, elle alla trouver le maire de la ville pour qu'il lui dise où Elle habitait la pauvre habite vieille dame. quartier Tshibili. Elle dut faire un bout de chemin à pied. Elle prit une rue. Elle se dit qu'elle était perdue, mais personne ne pouvait l'aider. Bonjour. Bonjour. Quel est le chemin pour aller au quartier Tibili? T'accompagner, comme ça tu ne te perdras pas. Merci. Quel chemin faut-il prendre? Celui de droite ou celui de gauche? Les deux chemins sont pareils. Je peux prendre celui de droite et toi celui de gauche. Hihihi. Alissa n'entendit pas ricaner le garçon. En réalité, le chemin de droite était beaucoup plus court que l'autre. Mais malheureusement, Alissa ne le savait pas. Je suis Alissa, je vous apporte des provisions. Il assomma la vieille dame, il la tira et la mit au fond de la cave. Puis quelque temps après, Alissa arriva. Je suis Alissa, je vous apporte des provisions. Mais tu n'es pas la vieille dame. Alissa s'énerva et comme elle était forte au karaté, elle lui fit une très bonne prise et le garçon resta cloué au lit. Elle est dans la cave. Alissa traîna Anthony par les pieds et l'enferma dans la cave. Alissa libéra la vieille dame. Appelons la police. C'était l'histoire du petit chaperon violet. Hakim, je suis le maire en Afrique du Sud. Mathieu, je faisais Anthony. Sarah, je faisais la vieille dame. Alice, je faisais Alissa. Aïda, je faisais le narrateur. Alexandra, et j'ai participé au décor.